Mercredi matin, le roi, sa femme et son petit prince. Chaque mercredi et chaque jeudi, je reçois toujours une infolettre de l'Auto-Québec. Mais là, vous allez dire, mais François, comment ça se fait que tu reçois des infolettes? Tu t'es abonné? Ben oui, je me suis abonné parce que j'ai déjà joué en ligne. J'achète la 649, moi aussi, des fois. Ouais. Ben, pas pour faire ma fin de mois. Je rêve comme tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour rêver. Il n'y a pas de portefeuille pour rêver. Et je me dis, ah, ça serait le fun d'en avoir un petit peu, hein? Mais tout ça pour dire que, bon, étant donné que j'achète en ligne, je reçois des infolettes. Ben, je pourrais me désabonner, mais il y a un côté social et un côté homme d'affaires derrière moi qui envoie des infolettes des fois aux gens, puis je me dis, OK, mais il y a des abonnements, puis il y a des gens qui aiment. Donc, je regarde ce que les autres font avec les infolettes, j'en reçois beaucoup. Le problème, est-ce que c'est le rôle de l'Auto-Québec, hein? En ce moment, il y a de plus en plus de gens qui font faillite. Les bureaux de syndic commencent à déborder. Pourquoi? Parce que la pandémie a créé des faux besoins. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont commencé à jouer en ligne, il y avait du temps. Ils s'emmerdaient, ils voulaient faire leur fin de mois. On va aller jouer au poker, j'ai entendu dire que c'était facile. On va jouer, OK, parfait, j'ai perdu, on va m'en refaire. Puis là, à un moment donné, ça devient une dépendance. Quel est le rôle de l'Auto-Québec? Hein? Nous faire une offre de jeu ou nous faire surstimuler? Tu sais, moi, quand j'envoie une infolette là, à mes clients, il y a un seul objectif, c'est que toute la gang vienne sur mon site puis consomme. OK, achète mes produits. C'est ça l'objectif. L'Auto-Québec n'est pas différente. Hein? Ils ne font pas juste aviser. Bon, là, faites attention aux jeux. Ils vont probablement le marquer un petit peu. Mais sincèrement, il faut se poser des questions. Hein? Il y a une différence entre avoir une offre de jeu et surstimuler les achats. Et c'est là que les pubs de l'Auto-Québec, on devrait y repenser. C'est pas le rôle de la société d'État. Vous allez me dire, ouais, mais si on ne le fait pas, ils vont aller ailleurs. Et s'ils vont ailleurs, c'est parce qu'ils ont décidé d'aller ailleurs, de toute façon. Donc, je ne suis pas à l'aise. Et à chaque fois que je reçois une infolette, je me dis, mais pourquoi? Est-ce que c'est notre rôle? C'est beau vouloir amener de l'argent dans le gouvernement, mais c'est pas créer de la richesse, ça. C'est appauvrir le peuple. Il faut jamais oublier que dès que quelqu'un met une scène dans l'Auto-Québec, il s'appauvrit et c'est ça qu'il faut retenir. Un dollar joué pour le plaisir, c'est un dollar qui va pas ailleurs. C'est une dépense discrétionnaire, c'est du luxe, c'est du plaisir. Le gouvernement ne peut pas mettre des millions en prévention du jeu. Le gouvernement ne peut pas mettre des millions dans notre système de santé, dans notre détresse psychologique qui manque de psychologues et en même temps inciter les gens à dépenser. Il y a comme les deux têtes dirigeantes ne se parlent pas. Un qui dit faut que tu amènes de l'argent et le dirigeant d'Auto-Québec, il faut le comprendre, il est payé pour amener des résultats. Donc, ils utilisent tous les moyens du bord pour le faire, mais c'est indécent pareil.